Quelle situation, hein ? Quelle dinguerie ! Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'était Emmanuel Macron qui nous disait ça en mars 2020. Depuis, les aides à domicile ont porté nos aînés, les caissières nous ont accueillis dans les supermarchés, tout le pays s'est mis en branle pour que nous puissions vivre, qu'on puisse tenir, et vous leur proposez un peu plus tard, maintenant, 2 années de plus sur la retraite, pas de hausse de salaire, pas d'amélioration des conditions de travail, mais juste de bosser plus sans rien. Et maintenant que Charles de Courson cherche à réparer cette injustice que vous êtes en train de créer, cherche à réparer la fracture que vous êtes en train de mettre dans le pays, vous voulez passer en force et vous voulez nous empêcher de réparer cette fracture. En vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'après avoir volé les travailleurs, après avoir volé le pays qui s'est donné, vous êtes en train de voler la démocratie. Vous ne supportez plus les oppositions. Que ce soit dans la rue, au Festival de Cannes ou dans l'Assemblée nationale, vous détestez tout le monde. Vous détestez toutes celles et ceux qui ne pensent pas comme vous. Aujourd'hui, il faut réparer le pays, il faut l'apaiser, il faut stopper cette fracture que vous êtes en train de creuser. Donc nous n'avons plus le droit d'amendement dans cette Assemblée. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Parce que tout le monde a bien compris. Et je veux que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est en train de se passer. La suppression de l'article 1 n'a qu'un seul but. Il a pour but que lorsque nous essaierons, avec le groupe Liotte, de rétablir l'article 1 tel qu'il était initialement rédigé, pour supprimer le passage de 64 ans, pour le faire revenir à l'âge de 62 ans, eh bien, de faire en sorte que la présidente de l'Assemblée nationale puisse activer l'article 40 et qu'elle déclare irrecevable cet amendement en espérant qu'ainsi, alors que les Français vont manifester, je l'espère encore par millions le 6 juin, d'avoir le 8 juin un débat uniquement sur je ne sais quoi, mais qui ne sera pas le report de l'âge de départ à 64 ans, sur lequel, là aussi, je le rappelle, l'intersyndicale dans son entièreté, des millions de Français, l'immense majorité, sont opposés à cela. Donc nous voyons vos magouilles, Madame la Présidente, et je vous le dis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas que vous nous refusiez de juste discuter du droit fondamental des parlementaires, c'est-à-dire le droit d'amendement. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où, là? L'autoritarisme a des limites. Madame la Présidente, l'autoritarisme a des limites. Madame Panot, l'obstruction non plus n'est pas acceptable. Présidente de la Commission des affaires sociales, vous devez aussi vous assurer de la bonne police des débats. Et je trouve que la décision que vous prenez ici est contraire à l'article 86 alinéa 5 de notre règlement qui prévoit que le droit d'amendement des députés est libre, notamment en commission. Vous avez pris une décision sans même avoir réuni le bureau. Je vous demande, avant de prendre une telle décision, qui a une incidence exceptionnelle sur un débat qui est regardé par l'ensemble de nos concitoyens, au moins de consulter et d'en discuter au sein du bureau, parce que vous ne pouvez pas décréter que les 30 amendements qui ont été déposés par le groupe socialiste sont de l'obstruction. On a déposé 30 sous-amendements, ce n'est pas non plus énorme. Donc vous décrétez ainsi que c'est de l'obstruction, vous outrepassez, à mon sens, votre pouvoir de président de commission. C'est pour ce quoi je demande une réunion du bureau. Madame la Présidente, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire? Donc nous n'avons plus le droit d'amendement dans cette Assemblée. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Parce que tout le monde a bien compris. Et je veux que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent ce qui est en train de se passer. La suppression de l'article 1 n'a qu'un seul but. Il a pour but que lorsque nous essaierons, avec le groupe Liotte, de rétablir l'article 1 tel qu'il était initialement rédigé, pour supprimer le passage de 64 ans, pour le faire revenir à l'âge de 62 ans, eh bien, de faire en sorte que la présidente de l'Assemblée nationale puisse activer l'article 40 et qu'elle déclare irrecevable cet amendement en espérant qu'ainsi, alors que les Français vont manifester, je l'espère encore par millions le 6 juin, d'avoir le 8 juin un débat uniquement sur je ne sais quoi, mais qui ne sera pas le report de l'âge de départ à 64 ans, sur lequel, là aussi, je le rappelle, l'intersyndicale dans son entièreté, des millions de Français, l'immense majorité, sont opposés à cela. Donc nous voyons vos magouilles, Madame la Présidente, et je vous le dis, ça ne passe pas. Ça ne passe pas que vous nous refusiez de juste discuter du droit fondamental des parlementaires, c'est-à-dire le droit d'amendement. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où, là? L'autoritarisme a des limites. Madame la Présidente, l'autoritarisme a des limites. Alors, qui est pour? Je le mets aux voix. Qui est contre? L'amendement de suppression est rejeté et donc l'article 2 est maintenu. Ce ne sont pas des manières, Madame la Présidente. Alors, il y a eu un vote. Il y a eu un vote. Alors, vous voulez un scrutin public aussi pour cela? Vous voulez un scrutin public?
Bah, y a eu des... Mais vous vous êtes intervenu. Vous êtes intervenu. Bon, alors maintenant, écoutez. Le rapporteur s'est à présenter son amendement. Je lui ai donné effectivement. Donc je vous ai donné la parole. Sur ce, je mets aux voix l'amendement. Mais si. Il y a eu une personne par groupe qui s'est exprimée. Bon. Madame la présidente. Alors, bon, allez. Non mais je l'ai. Donc, je mets aux voix. Ah. Je l'ai déjà mis aux voix. Écoutez. Ici, c'est moi qui préside. Donc, l'amendement a été rejeté. Nous passons à l'amendement. On n'a pas voté. Non, il a été donc adopté et nous poursuivons. Rejeté. Et donc, le texte, il est maintenu. Et je passe à l'amendement suivant. Madame Autain a la parole. Madame la présidente. Sur l'amendement 88. Oui, malgré le soleil, ici, il y a beaucoup de colère de la part de la NUPES. Je suis avec deux députés, notamment Louis Boyard et Aurélie Trouvé. Derrière nous, il y a Mathilde Panot, votre présidente de groupe à l'Assemblée, qui est en train de s'exprimer à la tribune pour exprimer pourquoi est-ce que, selon elle, ce qui s'est passé ce matin n'est pas normal. Quelle est votre réaction? Pourquoi vous êtes en colère ce matin? D'abord, peut-être vous, Louis Boyard. Parce que on est comme une majorité de Français. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir un vote à l'Assemblée nationale. Dans quelle démocratie est-ce qu'on interdit aux députés de voter à l'Assemblée nationale? Et dans la nuit, ils ont changé les députés pour avoir uniquement des LR qui sont favorables. Il y a deux députés qui ont changé. On avait déposé des amendements, on nous a retiré nos amendements. On voulait prendre la parole, on n'a pas le droit de parler. Tout ça pourquoi? Pour empêcher les députés de voter contre une réforme contre laquelle sont une majorité de Français. Les macronistes n'ont pas d'amour propre ni de respect pour la démocratie. Alors la question, évidemment, maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites, Aurélie Trouvé? Qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant? Que cet amendement de suppression ce matin a été voté par une majorité de députés de la majorité et des Républicains. Ça veut dire que dans les faits, il y a peu de chances qu'il arrive en hémicycle a priori. On garde des réserves évidemment. Qu'est-ce que vous faites maintenant? D'abord, on continue à se battre dans l'Assemblée nationale autant qu'on peut et jusqu'au bout pour pouvoir voter parce que c'est absolument scandaleux et inacceptable que les députés n'aient jamais pu voter sur cette réforme dont, je répète, 9 travailleurs sur 10 ne veulent pas et la totalité des syndicats de salariés dans ce pays. Et ensuite, on va continuer ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire nous battre à la fois dans l'Assemblée, le Sénat, mais aussi nous battre dans la rue le 6 juin. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible à l'appel de l'intersyndicale. Et puis je vais vous dire une chose, il a annoncé 100 jours de soi-disant apaisement. Ben nous, jusqu'au 100e jour du non-apaisement, nous renverrons dans la figure de ce gouvernement ce piétinement de la démocratie. Nous sommes absolument opposés à cet ultralibéralisme autoritaire et nous sommes aujourd'hui, je le dis, nous avons déjà en partie gagné. Parce que ce gouvernement qui a besoin d'un tel étouffement de la démocratie, c'est qu'il a perdu au contact de la population. Merci beaucoup Aurélie Trouvé, merci beaucoup également à vous Louis Boyard. Voilà, beaucoup de colère donc ici Pascal. Colère qui va continuer puisque la commission va reprendre dans l'après-midi pour examiner les autres articles de cette proposition du groupe Liot. Tout à l'heure, vous avez annoncé une décision qui a été soumise au bureau, décision que nous contestons, que nous n'acceptons pas, parce que nous pensons effectivement qu'elle crée un précédent grave pour le droit des parlementaires, le droit du Parlement et pour la démocratie tout court. Donc je veux le souligner, et puis je veux également dire quel est l'enjeu, parce que ça peut apparaître comme ça de manière assez trouble, aux yeux de certains, l'enjeu, il est clair, c'est est-ce que l'Assemblée nationale va pouvoir se prononcer sur la question de l'âge légal ou pas? C'est ça le sujet. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui est en train de décider de savoir si l'Assemblée nationale va se prononcer ou pas. Nous pensons que l'Assemblée nationale doit se prononcer. C'est pour ça que, d'ailleurs, je pense que Charles de Courson a déposé cette proposition de loi. Donc la question qui se pose désormais, c'est bien celle-là, et c'est de savoir si par-dessus le marché, c'est-à-dire après avoir fait tout ça, après avoir empêché l'examen des sous-amendements, je le dis d'autant plus tranquillement que moi j'en ai pas déposé, et je pense que ce droit doit être défendu pour autant, est-ce que par-dessus le marché, la présidente de l'Assemblée nationale va en plus nous empêcher
de déposer et de défendre un amendement de rétablissement du texte initial que vous avez vidé de sa substance à l'instant. C'est ça le sujet qui se pose. Donc le film, il n'est pas tout à fait fini, mais pour ce qui nous concerne, compte tenu de la décision que vous avez prise de nous empêcher de véritablement discuter et de porter à nouveau atteinte aux droits du Parlement, ben on va vous laisser tranquille. On va vous laisser entre vous, puisque c'est comme ça que vous êtes bien. Donc voilà, on ne veut pas déranger. Monsieur Arthur, ce face à quoi nous sommes aujourd'hui, c'est constater notre impuissance à vous contrer dans votre volonté de toute puissance et de ne pas vouloir perdre la face. Pour cette raison-là, notre rôle de parlementaire ne sert plus à grand-chose. Nous le constatons et donc nous partons. La parole est à monsieur Juvin. Oui, madame la présidente. À entendre un certain nombre de remarques, mais j'allais vous répondre. Moi, je suis comme Edith Piaf, je ne regrette rien. Le fait que la NUPES soit partie, c'est interrogez-les. Je veux dire, moi, j'ai pas de commentaires à faire sur les positions des uns et des autres. Voilà. Ils parlent de fortes questions. Écoutez, c'est leur responsabilité. Voilà. Mais pourquoi vous dites quand même déni de démocratie de la part de la majorité ? Mais le déni de démocratie continue. C'est pas nouveau. Ils ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, ils affaiblissent la démocratie et qu'une part croissante de nos concitoyens dit que ça ne sert plus à rien d'aller voter, puisqu'il y a une majorité contre ce texte et par des moyens de procédure, ils le font voter. Donc la démocratie, il n'y en a plus. C'est ça ce qui est terrible, puisqu'on n'a jamais voté sur ce texte. L'Assemblée nationale n'a jamais voté sur ce texte. Donc, si vous voulez, on ne peut pas continuer comme cela. Et d'ailleurs, tout le système va se bloquer politiquement. Parce que quand vous n'avez pas de majorité et que vous vous comportez comme si vous étiez l'ancienne majorité qui avait la majorité absolue, même au début, le seul groupe actuellement intitulé Renaissance avait la majorité absolue à lui tout seul. Maintenant, c'est absolument pas le cas. Donc, ils ne veulent pas écouter. Eh bien, je pense que ces coups de canif successifs ou ces coups de couteau, voire les coups de poignard contre le système démocratique et le refus d'accepter le vote d'une majorité de nos collègues députés, quelles que soient leurs origines, est contraire à toute règle démocratique. Vous pourriez utiliser la motion ? On l'a déjà utilisée, chère madame, si vous en souvenez. Voilà. Mais une motion de censure finira par passer, et peut-être dans un délai pas si lointain. Mais c'est inéluctable, parce qu'on ne peut pas continuer comme cela. Et le retour en 62 ans ? Jusqu'à preuve du contraire, les représentants du peuple sont souverains. Mais le but n'est pas simplement cela. C'est de pousser, en liaison avec les partenaires sociaux, des solutions équitables et justes. Et moi, j'ai confiance dans les partenaires sociaux. Pourquoi ? Quand ils ont réformé le régime complémentaire de retraite, ils ont pris des mesures que jamais un gouvernement n'aurait eu le courage de prendre. Ils ont fait des mesures recettes et des mesures dépenses, des économies sur les dépenses, et très fortes. Vous voyez ? Et donc, ce qui montre que les partenaires sociaux, contrairement à ce qu'on entend, sont parfaitement responsables et qu'on peut dégager une majorité avec eux pour un texte qui lui soit juste et qui permette d'équilibrer dans le long terme les régimes de retraite. Vous voulez déposer un amendement de réécriture pour réintroduire cet article premier avant les débats ? Mais je n'ai même pas besoin de réécrire. Je déposerai un amendement absolument pour, non pas réécrire, mais pour remettre le texte initial. Voilà. Et c'est celui-là que, immédiatement, un éminent membre de la minorité présidentielle dira « objection, hein, irrecevabilité financière, on saisit la présidente de l'Assemblée nationale ». Et elle déclarera, puisque c'est ça la manœuvre, « irrecevable ». J'attire votre attention que si elle fait cela, elle rompt une position constante des présidents successifs de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que comment est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale peut déclarer une proposition de loi recevable financièrement et la présidente, quelques semaines plus tard, déclarer irrecevable l'un des articles qui avait été déclaré recevable par le bureau ? Mais on marche sur la tête. Et tout ça parce qu'ils ne veulent pas que l'Assemblée nationale vote sur cet article premier, parce qu'ils savent qu'ils perdront. Voilà où on en est.
Et donc le déni de démocratie continue. Eh bien jusqu'au bout, nous nous battrons contre ce déni de démocratie. Là, ce qui s'est passé est pour la première fois le franchissement d'une ligne rouge, c'est-à-dire qu'on est hors du droit. On est hors du règlement, on est hors du droit. Et en fait, à quel moment on préserve la démocratie et à quel moment l'ego, la volonté, l'autoritarisme d'un gouvernement est supérieur à la représentation nationale. Nous sommes ici la Chambre du peuple, nous représentons les personnes qui nous sont élues, nous avons élevé la voix pour que cette voix soit entendue à l'intérieur de l'hémicycle. Et outre le fait que le gouvernement et le président n'ont jamais rencontré les syndicats pendant le cœur du conflit, qu'ils n'ont jamais discuté avec les oppositions, là, aujourd'hui, ils viennent de franchir un cap. Ils ont outrepassé le règlement de l'Assemblée nationale pour arriver à leur fin et ne pas perdre un vote. Et en fait, la question qui nous est posée à nous, parlementaires, c'est quelle arme avons-nous contre ces décisions qui vont au-delà de ce qui est autorisé. Et force est de constater que nous avons peu d'armes à notre disposition pour préserver ce qui est essentiel, qui s'appelle la démocratie et le Parlement, l'Assemblée nationale. Donc la seule arme qui nous est restée aujourd'hui est de partir de cette commission pour en dénoncer le caractère factice. Mais que je voudrais vraiment alerter sur les dangers que nous courons aujourd'hui parce que cette ligne rouge servira de jurisprudence et que nous risquons dans l'avenir de payer extrêmement cher la décision de la présidente de la Commission des affaires sociales et de la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais rendez-vous le 8 juin, la bataille n'est pas terminée et vraiment le 6 juin, nous avons besoin de toute la force d'un peuple mobilisé et en colère pour faire en sorte que ce pouvoir cède. Mais vraiment, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'ils sont prêts à tout, y compris le pire, pour ne pas perdre. Je ne vous ai pas coupé. C'est intolérable, votre comportement. Vous pouvez accepter d'écouter les autres. C'est un peu dommage. Vous êtes en train de glisser vers l'extrême gauche et d'avoir exactement le même comportement. Allez, on ne va pas s'envoyer tomber dans les invectives. C'est vous qui m'interrompez. S'il vous plaît, terminez. C'est un débat. Vous êtes tout jeune dans cette maison. Si on commence à dire « je balaye les sous-amendements à hauteur de combien ?» C'est à partir de 50, de 100, de 200. Il y a eu des tas de textes où il y avait 20, 30, 40, 50 sous-amendements déposés en séance. Ce n'est pas un problème. Voyez. Donc, il faut être pondéré et raisonnable. Bien. Et pas dire tout en noir et blanc. Voilà. Et donc, c'est un vote qu'ils font sûr de perdre. Alors, c'est ça la manœuvre, si vous voulez, est très simple. On vote contre l'article 1er en bétonnant 5 des 8 républicains, ce qui a donné 38... 34 et une abstention. Absolument. 38 pour l'amendement de suppression, 34 voilà. Contre une abstention. Alors que, ils m'ont même demandé, et c'est avec plaisir que je vais le faire, de rétablir, de déposer un amendement pour rétablir. Et à ce moment-là, on demandera à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de déclarer cet amendement qui se contente simplement de revenir à l'abrogation. Revenir au texte initial, qu'elle déclare l'article 40, ce qui est quand même invraisemblable, puisque cet article 1er, comme l'article 2 d'ailleurs, ont été déclarés conformes par le bureau, plus exactement son émanation, puis par le président de la Commission des finances. Donc on va se retrouver dans une situation invraisemblable si la présidente de l'Assemblée nationale applique vraiment cela, et il paraît qu'elle subit beaucoup de pression. Ah bon? Puisque, bah, quel genre de pression? C'est la pression du gouvernement, notamment. Voilà. Donc on va voir si elle a une vraie autonomie personnelle. Et moi, j'attire l'attention que si elle fait cela, ça va créer un précédent redoutable. Puisque ça veut dire qu'on pourra toujours bloquer une proposition de loi, puisque la quasi-totalité des propositions de loi ont un coût. Donc on pourra toujours dire, voilà, hein, on fait ce petit jeu-là, voilà, c'est la majorité du moment. Mais attendez, la majorité présidentielle, il n'y en a pas, c'est une majorité présidentielle, mais elle passera, comme toutes les majorités, ou les minorités, et il y aura d'autres majorités. Donc, bon, je dis attention, parce que alors là, les droits du Parlement sont replantés. Mais sur le fond, pourquoi nous avons déposé cela? Parce qu'on ne peut pas tolérer, quand on est démocrate, les manœuvres gouvernementales avec sa minorité présidentielle pour empêcher le vote dans l'Assemblée nationale sur cet article 1er. Est-ce qu'on est d'accord ou pas pour porter de 62 à 64 ans? Vous avez dit beaucoup de choses. C'est pas plus compliqué que ça.